juste qu'il s'était pas affiché. Il s'était pas affiché le appuyer pour continuer. Bon. Alors. On va reprendre. On va reprendre. Là vous allez recevoir encore une notif, désolé, mais c'est pas grave. Bon, après il est pas sombre ce jeu normalement. Oh, il m'a l'air un peu casse-couille. Chacun des corrompus qui occupait cette cité. Allez. Et bah, c'est parti. Let's go. Profitez. Oula. 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 Pas l'air de bien lui plaire ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est complexe. Très bizarre. Je vais essayer de relancer ça. C'est pas grave. Je suis désolé, hein, c'est un peu catastrophique. On va attendre un peu. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Et ça me fait un peu chier si ça crache. Je vais attendre une minute. Parce que sinon c'est pas normal quand même. Ça voudrait dire qu'il y aura un bug. Un bug chelou quoi. Mon avis, il a pas très envie de charger. Je vois que le stream est à 13 FPS. Je pense que le jeu est en PLS total. On va réessayer autre chose. C'est pas grave. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Tac, tac. Pourtant, devrait pas y avoir de... Chargé, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Ok. Ah,
Ok, très bizarre. Bon. Ça fonctionne, tant mieux. Suffit de le demander. Tu n'as qu'à demander. Tu sais déjà ce que je demande. Tu voudrais voir ton vœu exaucé. Alors exauce le mien. Bon, déjà, on est sur un jeu beaucoup plus récent. Il n'a que 14 ans. Le vent est libre. Les autres, on avait presque 20. Inconscient du monde qui l'entoure. Le souffle des dieux le fait tourbillonner. Il est à la merci des tempêtes qui l'engloutissent. Qu'est-ce qu'un grain de sable dans le désert? Vous allez rire. Un grain de sable dans la tempête. Il a un peu changé. Mais c'est une nouvelle histoire. C'est un tentative de reboot. Vara! 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 Salut! Je t'avais dit qu'elle n'était pas allée par là. Allez! Hey, hey! Dis-moi ton nom au moins! Oula! Attendez, parce que c'est inversé, j'aime pas. Le pad de la souris, c'est quelque chose. Enfin, le pad de la PS4. Allez, de PS4. Ah, il fait ça automatiquement, ouais. Pas seul. Yes. Hé, hey, toi! Pas besoin de s'énerver. On peut en parler si tu veux. Ok, la discussion, c'est pas ton truc, on dirait. Finalement, je parie que t'aurais préféré qu'on discute, pas vrai? Ouais, t'as qu'à t'enfuir! Pourquoi est-ce que tu me suis? Je ne te suis pas, je cherche... Farah, tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie? Farah n'aime pas ma petite amie? C'est mon âne. Tu as risqué ta vie pour un âne? C'est pour Farah, c'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. S'il te voit avec moi, tu auras des ennuis. Hé, hey, toi! Tu veux me prévenir plus tôt la prochaine fois? Ça va. Pas comme si ça se voyait. D'accord. Pourquoi me fuis-tu? Elika! Alors ça a l'air très lourd, hein.
Non, il n'a rien à voir avec ça. Non. Comment tu as... Wow! Je te tiens. Ils sont là-bas, par ici, allez! Il faut pas rester là. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Ah ouais? Et à tout hasard, ce ne serait pas parce que tu es magicienne qu'ils essaient de nous tuer? Ils n'essaient pas de nous tuer. Ils essaient de te tuer, toi. D'accord, garde tes secrets. Dis-moi juste comment on peut s'échapper. Non, je ne peux pas partir. Je dois rejoindre le temple. Dis, tu veux bien me poser maintenant? Nope. Laisse-la! J'ai perdu mon âne, je suis tombé d'une falaise et j'ai failli me faire broyer. Alors je ne suis pas d'humeur. Laisse-la partir. Elle peut partir quand elle veut. Laisse-la! C'est vous qu'elle fuit, pas moi. Bon, le coup. Tapette. Tu vas pouvoir courir? Oui. Où il est, ce temple? Passe devant. Je te suis. D'accord. Où se trouve le temple? Il faut que nous allions par là. Vous comprenez pourquoi... Pourquoi le jeu qui est sorti après celui-là a essayé de vraiment reprendre Prince of Persia? Même s'il est pas mauvais ce jeu en vrai. Ne bougez plus, on ne vous veut aucun mal. Ah bah, c'est tout ce que je comprends. C'est que des 1v1 les combats. Évite de t'interposer entre nous et la princesse. Quelle princesse? Tu es une princesse? Elika, c'est terminé! Tu ne peux pas revenir! Pourquoi s'enfuir? Tu n'as nulle part où aller! Plutôt tenace, ce type. N'a pas le vertige, au moins. Le temple est là-bas, sous cet arbre. Vous vénérez un arbre? Pardon. Je cherchais... Mais tu viens bien d'ici. Non. Je pensais qu'il y avait une carte. Alors c'est un jeu monde ouvert, bizarre, chelou. Vous verrez, c'est... C'est sympa, mais bon. C'est pas trois pattes à un canard non plus. Enfin, c'est meilleur que certains open world d'aujourd'hui, hein, quand même. Hein. J'espère que c'est pas trop dégueulatron pour vous, parce que moi ça me fait mal aux yeux. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Prends ce côté et pousse.
Y a quoi dans le temple? Pousse, d'accord? Y a de l'or là-dedans? Personne ne nous a suivis. Il faut faire vite. S'il n'y a pas d'or ici, pourquoi toutes ces précautions? C'est ici qu'Ahriman est retenu prisonnier. Ahriman? Non. Ahriman, le grand méchant dieu des ténèbres? Celui qui tue des gens, détruit des cités, fait peur aux enfants? Justement, si tu veux qu'il y ait encore des enfants sur cette terre, tu vas m'aider. D'accord. Où est Ahriman? Dans le sol. Merci de m'avoir accompagné. Mais tu devrais partir. Tu veux que je parte comme ça? Elika! Recule. Je m'en charge. Je ne veux plus te perdre. Père, non! Je t'en supplie! Père? Le crâne. Deux, deux. Non, père, non. Pourquoi il a fait ça, lui? Père. Ne restons pas ici. Allez. On n'est pas encore tiré d'affaire. Là, on est tiré d'affaire. Shot. Il ne faut pas rester là. Vraiment? Allez, allez! C'est quoi ces choses? Les soldats d'Ahriman, ils lui tenaient compagnie. Ah ouais? On dirait qu'ils se sont enfuis. Ahriman va s'échapper. Bah merde alors.
Je suis l'obscurité. Je suis ta mort. Tu regarderas la lumière s'éteindre. D'autres membres de ta famille veulent notre peau? Ou c'est juste ton père qui souhaite la fin du monde? Tu crois sincèrement que j'y suis pour quelque chose? Ma foi, ce serait bien des petites explications quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À supposer que le dieu des ténèbres ne nous réduise pas en bouillie. Il n'a pas pu s'échapper. Pas complètement. Le temple doit encore avoir le pouvoir de le contenir. Il est arrivé quelque chose aux terres fertiles. Si nous pouvons les atteindre, nous empêcherons peut-être Ahriman de s'échapper. Les terres quoi? Ces terres ont été créées pour enfermer Ahriman. Ces zones alimentent le temple en énergie vitale. Et le temple nourrit l'arbre. Nous devons l'arrêter. Nous devons surtout partir d'ici. Vas-y, défile-toi. Mais tu n'iras pas très loin. Oh, moi qui rentrais chez moi. Avec plus d'or qu'il n'en faut. J'avais du vin, des femmes, des tapis épais comme ça. Me voilà coincé avec un dieu irascible et une fille totalement folle. Bien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire... va savoir quoi. Ça, c'est un peu l'histoire de la vie, ça. La responsabilité qui te rappelle impossible alors qu'il a rien demandé. Les terres fertiles qui sont ici. Il faudrait... C'est impossible de toute façon. Il faut atteindre ces quatre-là. Après, on verra bien ce qui se passe. Si jamais je retrouve mon âne... Oh, des tapis épais comme ça. Tab. Oh, les bouboules. Ça y est, c'est parti. It's bouboule time. Ouais, plaque de pouvoir. Donc là, on choisit une destination. C'est la carte, hein. Appuyez sur... Voilà. Et voilà. Et on suit la bouboule. Nous n'avons rien à faire ici. Waouh. Il faut rejoindre les terres fertiles. Nous perdons du temps. Waouh. Je voulais juste discuter avec moi. Avec toi, hein. Pas besoin de le prendre comme ça, hein. Ça va un peu vite. Dès le début. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Attends. What the fuck? Ça, c'est une agression, c'est ça. C'est déjà ce que je demande. Tu voudrais voir ton vœu exaucé. Alors, exauce le mien. Il y a des jours comme ça. Ce sont les corrompus. Ahriman les a choisis. Il régnait ici il y a un millier d'années. Cette chose qu'on a vue, est-ce que c'était... Ahriman. Oh, faut choisir entre Ahriman et Ahriman, hein. Ah, pardon, je suis désolé. Ici. Je sais pas si je vais jouer longtemps parce que... Waouh. C'est dur, hein. Ouais. Vous allez voir, il y a beaucoup de boutons pour pas grand chose. Faut pas se faire attraper par ça parce que sinon on crève. Voilà. Regarde où tu vas. Voilà. Roshan Kong. Conan Dog. Moi, ce que j'ai dit, ça veut vraiment dire quelque chose. Let's go.
Ça va, c'est logique. Hein. Et on est à l'époque du premier Assassin's Creed. Pour ceux qui veulent se repérer au niveau des jeux sortis par Ubisoft. Je crois même le 2. Si je dis pas de bêtises. On retrouve beaucoup de gameplay de Darksiders 2 aussi. Hein. Nous entrons dans la citadelle. Si les corrompus reviennent là où ils vivaient, le chasseur sera là. Le chasseur. La terre fertile se trouve au sommet de cette tour. Et on peut l'atteindre ? Oui. Alors montons en haut de cette tour. Est-ce que c'était un rêve ? Un rêve ? Cette chose qu'on a vue, est-ce que c'était... Ahriman. Si Ahriman nous est apparu dans une vision, alors c'est lui qui les provoque. Non, ce n'est pas lui. Seul Ormaz a ce pouvoir. C'est le temple qui se protège. Tu m'en diras tant. C'est pas passé loin. Ah non, c'est là. Pardon. Je crois que je vais jouer une petite heure et après m'arrêterai là. Tant qu'on s'acclimate un petit peu à l'ambiance. Aide-moi ! Je vais avoir du mal à m'habituer. Ah oui, je suis con. En tout cas, j'aime bien le principe d'être à deux. Le principe du jeu est cool. Mais je sais pas, il a étrangement fait pas énormément de bruit. Même là, ce principe est cool. Bon, il est complètement illogique, gravitationnellement parlant, mais. Je trouve ça cool. Excuse-moi, tu me gênes. Ralenti. Ah voilà. On est piégé. Tout ira bien. J'espère. Fais-le venir plus près. Hey. Maintenant. Je crois qu'il récupère sa vie. Ahriman ne doit pas l'emporter. Non. Je ne sais pas trop. Tu ne sais.
Je crois que si je... Vous l'aurez compris, le prince n'est pas un prince. Et c'est Princess of Persia. Voilà, je vous ai menti, voilà. Le jeu s'appelle Princess of Persia, je sais. Et elle est bouboule. Les bouboules. Waouh. C'était quoi ça? Comment tu... Hey. Je vais bien. Ce n'est rien. Si tu le dis. Maintenant, la terre fertile est pure. Ça empêchera Ahriman d'en utiliser l'énergie. Alors il est coincé? Non. Nous devons purifier les autres terres fertiles. Ah ouais, tu tiens la forme idéale pour ça. Une sphère. Conduis-moi à une sphère. Il n'y en a pas 60 dans le jeu, hein. C'est 60 Merci. Par zone. T'en as vraiment besoin? C'est un jeu à patounes. À notre arrivée, je ne savais pas quoi faire, mais je savais qu'Ormaz me guiderait. Ah ouais? Espérons qu'il aura d'autres idées comme ça. En attendant, prenons d'autres trucs de lumière. Ouais, je m'arrêterai à 15h, ouais. Je vois l'heure, là. Les bouboules! Oui, non mais c'est bon, ça va, je connais le jeu, je pense que ça va aller. Oui, non mais j'ai compris comment jouer. Et maintenant, où on va? Ouais, c'est par là, mais moi je veux ramasser des bubbles. Je sais pas de quoi il me parle. Oh, et les putains didacticiels, c'est bon maintenant. T'as compris comment on joue au jeu, je pense que ça va aller. Merci. Il y a des bouboules. Salut Crazy RTX. T'as raté la fin de Prince of Persia 3. Ça va et toi? Un peu crevé. Je t'avoue là, le fait d'avoir enchaîné autant les streams et les jeux, ça m'a un peu éreinté. Là, je vois la différence quand même de gameplay. Oh. Tu montes ou comment ça se passe? Oh. Commence les bubbles. Ouais. Accroche-toi. Thank you.
retrouve plus l'ambiance du premier, je trouve. Mais bon, je parle que de l'ambiance, hein. Non, on peut pas tricher comme ça. On peut tricher comme ça? Non, on peut pas tricher. Je disais au début de stream que c'était dommage qu'ils avaient pas continué sur cette lancée qu'ils avaient fait avec ce Prince of Persia là. Parce que j'aime bien son ambiance. Bon, il est. Il tend mieux, Lucas. Ah non, c'est pas du tout la même, c'est un remake complet. Hein. Ouais. Bon après au pire Ah il est long l'épilogue ou pas? Parce que j'allais dire on peut toujours aller le voir sur sur YouTube, tu le sais. J'ai cru que j'allais y passer. Non, t'inquiète, je suis juste mauvais. Ça a pas changé ça. Pas tellement. Bon, peut-être que j'irai voir sur YouTube. Si c'est pas très long, je le ferai peut-être en stream. Mais bon, après, ça va aller. Je pense que les gens savent écrire épilogue Prince of Persia 2008 sur YouTube. Il est très très lourd par contre. J'avais oublié qu'il était très lourd en termes de déplacement. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Ah non, il y a des... Non, c'est avec les powers. Saute! Et j'ai pas les powers. Bon. Indique-moi le chemin. Oui, il court moins, mais il peut enchaîner, ouais. Et d'ailleurs, le jeu s'appelle Prince de Perse, mais lui, c'est pas du tout un prince, hein. C'est que plus. D'accord. Ça va aller? Oui, continuons. Kakulukiam. J'aime bien la blague au début où il cherche Farah et en fait c'est son âne. Je trouve ça très drôle. C'est par où? Par là. Bon, du coup, on n'y voit rien. Voilà. Et après celui-là, il n'y a que les sabliers et après ils n'en ont pas refait, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je t'ai mis sur le grand écran cette fois. Ah, ce qui veut dire. Je suis sur la télé. Maman, je passe à la télé! Un peu deck de pas stream ce week-end, mais bon. Faut bien que je fasse autre chose. On est bientôt à 100 followers.
Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il fait des sauts un peu bizarres. Bon, alors j'ai encore un vieux réflexe des poutres. Des statues en or, des pièces en or, rien que de l'or. La terre fertile est sur ce plateau. Bah salut. Utilisons ces plantes pour grimper. Ensuite, nous traverserons. Ensuite, nous traverserons quoi? Nous verrons bien. C'est l'alchimiste. Je crois qu'on vient de perdre notre ticket de sortie. Si nous ne pouvons pas rester au-dessus de la corruption, nous perdrons plus que ça. Ah. Mais mon or! Aïe aïe aïe, c'est triste. Franchement, je suis le meilleur streamer de la Terre, personne regarde quoi. J'ai passé l'après-midi tout seul, mais personne regarde. Attention où tu mets les pieds! C'est fou ça, hein. Vite, il faut traverser par là. Bien sûr, grimpe sur le toit. La gravité n'a jamais tué personne. C'est très marrant ça, dis donc. Il y a Newton qui vient de s'étouffer. Ne t'arrête pas! Nous devons arriver jusqu'à lui, pour l'empêcher de... Hé hey, t'as rien à faire là-haut. Quoi? Il fait quoi, lui, là? Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait, là, le... L'éducateur... Et voilà. Éducateur de maison des jeunes, là. Il a essayé de faire quoi, là? C'est pire. Chou! Bah, eh oh, j'appuie sur la touche! Et j'appuie sur la touche! Voilà, j'étais mort! Waouh, stylèche. Des glingos. Voilà, ça te servira de leçon. Des glingos le rigolo. C'est moi. La corruption est partie. Apparemment, oui, la voie est libre. On perd la magie Beats and Maul, mais... Ah. Aussi sont très belles. On revient sur du prince quoi. Je trouve
trouve que il a étrangement une sorte de ressemblance avec le film, mais au niveau de la musique. Voilà. Et que justement, les sables oubliés, ils font beaucoup plus écho à Prince of Persia, le film. Enfin, je sais pas si t'as aimé le film, je sais pas, mais... Ne dis rien. Il faut continuer, je sais. Je sais pas si toi t'as aimé le film. C'est peut-être la suite là, mais je vais ramasser des bouboules. C'est marrant. Cette chose corrompue va revenir ici? On ne craint rien. Cette terre est purifiée. L'ombre d'Arima ne nous menacera plus. Par ici. On est loin du espèce de garce quand même. Hein. Il a fait des thérapies depuis. Est-ce qu'on peut pas gruger? Eh, saute pas tout droit! Ah, il va pas vouloir. Celui-ci, il est très rigide et c'est comme ça. Sauve-moi! Et ta gueule! Oh, abuse! Ok. C'est honteux! Grave. On peut pas abuser sur ce jeu. Bon, comment on fait? C'est mauvais! Ben, ça va, non? On sort bien, non? Non mais je suis le seul à... Voyez-moi lourde. Ouf. Waouh. Waouh. Femme shaming. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Ah, tu dois en avoir, je ne sais pas combien des points. Je disais que ce jeu c'était un peu les débuts de Assassin's Creed. 1900, quoi. 1900 points. Ah ouais. Putain, tu te fais chier pour avoir autant de points, non? Arrête de faire exprès, s'il te plaît. Voilà. Meshandere. Tiens bon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, détends-toi.
Ah, le gameplay est lourd. Mais après, il est court celui-là. J'ai vu que sur Steam, j'avais joué 8 heures et je l'avais terminé, donc il est très court. Je serais curieux de savoir s'il a été bien noté par la critique. Ambiance d'un coup. Sommes-nous maintenant? Toujours dans le palais royal. Vous viviez ici? Rien que toi et ton père? La plupart de ceux qui sont restés vivaient ici. La vallée a été abandonnée, la citadelle est tombée en ruine. Et peu à peu, la cité s'est vidée. Il ne restait que le palais. C'est si grand. Fiche la trouille. Tu ne trouveras pas de fantômes ici, seulement des illusions. La concubine nous attend sûrement. Comment elle connaît tous ces persos là? Il y a plein de trucs introduits sans explication, c'est un peu chiant. La terre fertile se trouve en dessous de nous. Les passerelles qui reliaient les plateformes ont disparu. Il faut utiliser ces colonnes pour traverser, puis nous laisser descendre. Pas par là, du coup. Oh non! Ah. Oh, il s'est cassé la gueule! La terre fertile est accessible. Princesse? Je ne peux plus bouger! C'est la concubine, elle! Oh, tu as mal. Laisse-moi soulager ta douleur. Ne bouge pas, je vais l'arrêter. Ben, elle peut pas aller bien loin. Hein. Eh bien, qu'avons-nous ici? Les princesses sont hommes. De pauvres vagabonds qui ne savent pas où ils vont, et encore moins. Pitié. Ouais, je reviens là où j'étais. Je suis trompé de chemin. Encore. Vite! Elle est gentille quand même, elle nous attend. Je dis, oh, je vais rester là où je suis, ça va être sympa. Par-dessus la troisième corde! Salut, Toxicyrine! Oui, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo. Merci pour ton follow, ça fait super plaisir. Tu es perdu, pauvre homme. Perdu dans le désert, tu erres sans du précis. Très gentil à toi. Un marchand ou un assassin. Je suis toutes les choses à la fois. Bonjour, bienvenue sur le chat. Génial, encore une illusion. J'avais besoin d'exercice. Oh, pendant tout ce temps, j'étais ici. Désolé, tu as fait tout ça pour rien.
rien. Ça va être long, mon ref. Hein. Tu l'abandonnes à son triste sort. Tu ne veux pas être à ses côtés dans ces moments difficiles. Surtout, comment t'as découvert la chaîne? Tu fais semblant. T'as tapé Prince of Persia, c'est ça? Toi aussi, t'es un fan? Ça commence à être long là. La vie peut être si déroutante. Tu crois savoir où tu en es quand tout à coup. Tes certitudes s'écroulent. Tu as besoin d'elle, c'est ça. Mais elle n'est motivée que par une seule chose. Elle est là. Fan de Crazy, j'étais actuellement. Ah, d'accord. Je comprenais pas le. Ok. Effectivement, ça va plus vite comme ça. Mais c'est gentil quand même. Désolé d'occuper votre espace vital. Personne n'aura pitié de toi. C'est rigolo. Bon, je me suis bien amusé. Mais dis-moi qu'il y a un moyen de se débarrasser d'elle. Oui, en éteignant le jeu. Il faut emprisonner Ahriman définitivement. Ou pénétrer dans les salons du palais par la porte noire. Ou ça aussi. Le choix. Ah ouais, bah comme ma copine, hein, généralement elle découvre beaucoup de jeux grâce à moi. Parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais... Et elle bouquine beaucoup, donc généralement elle se met derrière moi et elle fait deux choses en même temps. Tu peux te relever? C'est pas un cliché, hein, mais c'est vrai. Oh, je n'ai pas pour habitude d'être sur scène. Je vous remercie d'être là pour cette représentation exceptionnelle de mort d'une concubine. Elle n'est pas morte. Tentative d'humour. On peut rêver. Eh, ça sert à ça le théâtre. Si on ne rêve pas, on ne devient jamais mieux que ce qu'on est. Mais si on ne se réveille pas, on ne fait jamais rien d'autre que rêver. Waouh ! Philosophe ! Quelle terre fertile ? Ah ben ça c'est sûr, hein. Je suis d'accord avec toi. Il y a un peu plus de matière sur ça que Fortnite. Ouais, j'ai 60 de bouboules ! Tellement de bouboules. Les bouboules que j'ai là me servent à quoi? Ah voilà. Ah, il faut retourner au temple, c'est vrai. Faut se taper. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bourré. Princesse! Et il mange parfois. Il n'y a pas que de lumière. Je suis faite comme toi. Mais ces sphères de lumière, je sens que j'en ai besoin. Elles me rendent plus forte. Tu voudrais pas lui acheter une litière aussi tant que tu y es? Non mais c'est quoi cette question? Tu manges? Bah non, connard. Je vis d'amour et d'eau fraîche, ça se voit pas? Oh putain. Oh là là, c'est dur. Ah, il a un cerveau mou quand même, notre ami. Hein. C'est... Ouf.
M'en faut peu pour rire. Il y en a d'autres ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des trucs. Il est bourré. Wow, allez, carnaval. Bon, heureusement qu'il y avait un fini. Hein. Hey ! En fait, c'est parce que j'ai l'habitude de pousser le joystick alors que je devrais juste laisser faire. J'ai envie de tricher, mais ça marchera pas. Parce que là, je vais où en fait ? Là. Red. Harryman n'a qu'à bien se tenir. Oh, t'es un genre random là et. Tu fais le malin. Let's go. Allez. Et ils parlent plus dans le chat, ils sont en train de se prendre la tête parce qu'il y en a un qui joue à Fortnite et pas l'autre. Manger à 15h. Ah, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. J'espère que c'est le goûter quand même. Sinon, c'est chaud. Bon, après, quand on est des hobbits, je comprends. Hein, parce qu'il y a le petit déjeuner, la collation de 10h, le pré-repas, l'apéritif, il y a le repas. Ensuite, il y a la collation de 15h. Ensuite, il y a le goûter. Ensuite, il y a le dîner. Et ensuite, il y a le souper. Ça va. Ça va. Bon. Arrêtez de dire des conneries. On va peut-être avancer. Une tourte à la viande, c'est un goûter pour toi? Non. Pour forcément, non. Du coup, j'ai faim. Bravo. Super. Merci. Moi qui fais un régime. Oh putain. Maintenant, j'ai faim. Ah oui, bah oui, level midi. C'est ça de faire la teuf aussi. Hein. Pas du tout si c'est par là. Non! Bah non, c'était pas par là. Ouais, un régime, 15h, tourte à la viande. Tu peux le faire à qui tu veux, ça, mais pas à moi. En voilà une autre. Oui, oui, je l'ai vue, elle était devant moi. Quelle direction il faut prendre ? Casser la gueule. Aide-moi ! Aide-moi ! Vas-y, c'est pas permissif aussi votre système là. Ouais, il faut toujours se relâcher en fait dans le régime. C'est ce qui permet de le tenir. Faire du sport aussi pour que ça fonctionne, je pense.
C'est ce qui aide le plus. Ce qu'il faut surtout, c'est une alimentation équilibrée. Je reviens pas que je parle d'alimentation et de régime sur un stream jeu vidéo Prince of Persia de 2008 Retro Gaming. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, pour tous ceux qui sont sur YouTube sur la rediff, envoyez-moi des MP sous les petites recettes de régime et genre de choses. Je pense qu'il y a moyen de faire un stream cuisine là. Moi j'aime beaucoup la cuisine, ça me dérangerait pas en plus. J'ai perdu 10 kilos depuis cet été. Grave, ça se voit. J'ai tout vu. J'étais là en plus. Tu t'en souviens pas, mais j'étais là. J'aurais besoin que tu m'orientes un peu. Moi, pour te dire, j'ai perdu 25 kilos en un mois et demi. J'ai 100 kilos, maintenant j'en fais 75 environ. Pour de vrai en plus. Vous ne me voyez pas encore en cam parce que je n'en ai pas encore acheté, mais en vrai, l'année dernière je faisais 100 kilos. La corruption n'est pas la seule cause de cette dévastation. Et si ce n'est pas la corruption, ah oui, il y a un jeu, pardon. Quelque chose me dit que ça doit être encore pire. Après la dernière bataille contre Ahriman, la cité est revenue aux guerriers. C'est peut-être lui qui a fait ça. Il est guerrier. Les guerriers vaudou. Oula, j'ai pas le droit, on est sur Twitch. Oh, yeah, yeah, attendez, excusez-moi. Je vais me faire ban. Laisse-moi deviner, il est sur la terre fertile, c'est ça? Oui. Laisse-moi deviner. Ce sera ça tout le long du jeu, c'est ça? Oui. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je reprenne Darksiders. On ne peut pas passer. Allez, Quincy! Et ta mère. Okay. Ouais. Meurs avec honneur. Ah. La cité de lumière. La porte. Le chantier de construction. Ta gueule. Ta gueule. Pardon. C'est bon là? Vous m'entendez? Ta gueule! C'est bon? C'est un test tu dois son. Défendre ton honneur. Hein? N'est pas ton maître. Affronte-le. Qui s'y raconte? Soumets-toi à Ahriman. Pourquoi restes-tu? Ah, je vais avoir du mal à le soulever, ouais. Attention. Je vais tomber là. Oui, oui. Vas-y, pousse-la! Ah, faut que je le pousse dans le vide. Vas-y, attrape-lui le bide. Ah bah c'était rapide, dis donc. Prince Mario. Ah ouais 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 ouais. Plutôt terrifiant. Merci. Merci. Ah, j'adore les joies du streaming. Les timings et tout ça, c'est... T'as rien compris, mon ref. T'es pas bon. Tu vois une issue possible? Je pense qu'on peut partir par là. Tac. Ben on va partir par là.
par ici. Je vais juste checker un truc sur internet parce que ça me perturbe de pas savoir. Si jamais vous avez une question, le Any% World Record de ce jeu-là, c'est 44 minutes. Voilà. Jean Culture, c'est moi. Voilà, j'étais juste curieux de savoir à quel point ça pouvait être rapide. Sûrement une information inutile, hein, mais moi ça me fait toujours délirer de savoir ça. Comme ça, tu peux bien te comparer tes stats de merde. Après, faut avoir envie de le speedrun ce jeu. Il nous en faut d'autres. Ah, on dirait vraiment la musique du film. Ah, ça fait pas beaucoup, 44 minutes. Hein. Là-bas, je les vois. Ah. Roham Dorost. L'armée d'Ariman va avoir besoin de renforts. Le Chandere. On peut pas se téléporter? Ah. Voilà, jeu à patoune, c'est ça tout le jeu. Hein. Des backtracking et des patounes. Est-ce qu'on peut se TP? Merci. 15h23. C'est une bonne idée de se rapprocher autant. Il faut bien avancer dans le jeu. On est en vie, ça veut dire qu'il est coincé. Impossible. Hein. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu crois encore qu'il y a des choses impossibles? Ah! Et comment tu expliques ça? Qu'est-ce qu'il a? Ces plaques n'ont pas été activées depuis plusieurs générations. Les purifications ont dû faire leur effet. Ahriman va rester prisonnier? Non. Les plaques ont transmis leur pouvoir aux Ahura. Maintenant qu'elles sont actives, nous pouvons atteindre les autres terres fertiles. Si nous les purifions... Alors il sera enfermé et nous pourrons partir? Oui. Celui-ci nous permettra de rejoindre les terres fertiles de la Cité de Lumière et du Palais Royal. Avec celui-ci, nous accéderons aux terres fertiles de la Citadelle et de la Vallée. Écoute, on va prendre ça. Hein. S'il te plaît, il faut revenir au temple. Ah, j'ai pas... Pardon. Je suis prête. On doit utiliser ses pouvoirs pour atteindre les terres fertiles? Oui, ils étaient destinés à les protéger. Il faut que tu m'apprennes à les utiliser. Mmh. C'est pas compliqué, hein. Il y a une couleur, t'appuies sur la couleur et puis voilà. Non ! Ah bah non. Putain, le jeu a été plus intelligent que moi. Wouah ! Jack, je vole !
énormes. Ah, c'est ça le tuto? Ok, bah j'ai compris. Elika, je t'en prie, j'ai fait ça pour toi. Ce qu'a fait notre peuple est du passé. L'arbre faibli. Ce sont tes paroles? Ou celles d'Ahriman? Où était Ormaz quand ta mère nous a été arrachée? Où était-il quand tu avais besoin de son aide? Elika, je suis ton père! Je suis ton roi! Ah. That shaming. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dites, si un jour vous voulez vous réconcilier avec votre fille, contentez-vous de lui offrir un poney. Ça vaudra toujours mieux que la fin du monde. Offre-lui un poney! Fils de pute! Nous avons l'un des pouvoirs d'Ormaz. Nous pouvons atteindre les autres terres fertiles. Il faut y aller. Ouais. Et du coup? Il faut 170 sphères! Oh, c'est long! Ça va être que ça, quoi. Que de la bouboule. Bon, on va avancer encore un peu, mais... Boing. Boing. Voilà pour toi. Oh. On y va. Attention. Je ah, pas eu le temps. Aïe. Je ne peux pas. Ouais, mais j'avais compris qu'il faut faire les, fallait fermer les bouboules, hein. J'ai déjà fait le jeu il y a quelques temps. Il y a 3-4 ans. Alors, on fait une bonne équipe? Je n'ai pas le choix, de toute façon. Damn! That's lit, motherfucker! Wouah, ça tire à balles réelles ici, hein. Parce qu'elle lui a mis dans la tronche. Ouais, j'ai pas le choix. Ah ouais. C'est de la folie. Tu as été choisi par dépit, prince. Ça a l'air calme. Détrompe-toi. Rien n'est jamais calme ici. Calme. Et... Oh non. Wouhou. Oh non! Il nous a coupé en deux! Je te l'ai dit, rien n'est jamais calme ici. Haha! Maintenant! Haha! Tu es baisé! Quoi? Je vais pas du tout faire ça, mais bon. J'aime bien pouvoir voir le cours aussi. Qu'est-ce que... Prend pas beaucoup de dégâts le petit. Il s'enfuit encore? Non. Oui. Tu peux me dire pourquoi on suit toujours les méchants? Because scénario. Wouhou! Waha!
faut avoir la ref. Il fait sortir des couilles du mur. Un giga cancer, hein. Ouais. C'est pas les mêmes pièges que dans les premiers jeux, hein, ça se voit. Wouhi! Wouah! Je vais le faire à chaque fois. Hein. C'est énervant, je m'en fous, mais je vais le faire. D'accord. Ah, one shot. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Alors, tu fais quoi aujourd'hui? Oh, je sais pas, je vais peut-être me faire dévorer. Ah, pourquoi je rigole? C'est fils de pute. J'ai fait deux coups de joystick en me disant « Oh, ça va, c'est bon, je vais appuyer sur A, ça va annuler le coup. » Non, pas du tout. Ah, t'es bon, j'ai bien... Oh, c'est... Hey, t'essayes de m'avoir, là. Oh là là, je déteste ça, là, putain. C'est pas intuitif. Pourquoi tu fais un tour sur le putain de poteau? Bon, je sais pas ce que j'ai fait là. C'est bon? Allez, fais ton tour. Là tu vas à droite alors que je mets le joystick à gauche, y'a pas de problème. Bon, c'est chiant pour tout le monde, alors on va éviter de se rater. Voilà. Ah ouais, d'accord. Je vois. Pourquoi je fonce dedans? J'ai 4 de QI, non? Il faut qu'on traverse. C'est pas vrai! Si les pouvoirs étaient destinés à protéger les terres fertiles, pourquoi est-ce qu'on y rencontre les petits copains d'Ariman? Ces terres sont corrompues, mais les partisans d'Ariman ne peuvent pas utiliser les plaques. Les pouvoirs viennent d'Ormaz, le dieu de la lumière. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Sardec. Voilà. On y est arrivé. Il n'a pas l'air content de nous voir. Mais j'ai bloqué. Ça. Ah. Adieu dans le mur. Que t'as eu mal. Il ne t'entend pas. Ah bon? T'es vraiment qu'un sale taré. Quoi? D'accord.
te reposer. Ahriman ne se repose pas. Waouh. Bon, les enfants, je vais m'arrêter là. Merci. Je vous avoue que je suis fatigué. Ça fait 4h30 que je suis en live. Enfin, 3h30, pardon. Bon, ouais, je raconte n'importe quoi. Wouah! Sacré bâillement. Ah, merci d'avoir suivi. Merci, merci à tous. Merci aux follow. C'est très gentil. Ne t'oblige pas à regarder. Mais c'est très gentil du soutien. Hop. Je vais remettre la petite musique. Bon, bah, j'espère que cet après-midi vous aura plu avec moi. Moi, je suis explosé. Je pense que je vais aller me faire une sieste. En plus, j'ai un voyage à préparer pour ce soir. Merci encore d'avoir suivi. Merci à YouTube si t'es là. Je vous souhaite que des bonnes choses. Un très bon week-end. On se retrouve très vite lundi. Et voilà. Au plaisir et au bonheur pour tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci.